Bonjour à toutes et à tous. Déjà, on est très heureux d'être là. C'est une première pour nous. Content de représenter notre petite quincaillerie du Nord-Pas-de-Calais pour cet événement Wheel of Speed. Et du coup, bah, si on est là, c'est pour vous parler de ce qu'on a vécu ces dernières années chez Leroy Merlin. On a fait une refonte de notre plateforme en mode micro-frontaine. Et voilà, est-ce que ça a été vraiment un atout pour la web performance ? Histoire de se présenter, moi c'est Bertrand Lahotte, je suis dans le web, je fais des balises HTML depuis une quinzaine d'années et je suis chez Leroy Merlin depuis maintenant plus de 10 ans en tant que front-end développeur advocate. Pardon. Et toi Ludo, qui es-tu ? Donc, Ludovic Laghetti, moi je suis architecte applicatif, j'ai 20 ans d'expérience, 15 ans en tant que freelance, dont 10 ans dans le e-commerce. J'ai bossé pas mal avec Leroy Merlin pendant pas mal d'années. Alors, les grands thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, c'est d'abord comprendre qui est Leroy Merlin, qui nous sommes, pour comprendre les choix d'architecture qui ont été faits par la suite. On va vous parler un petit peu de Microfront, histoire de comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, bon, puisqu'il s'agit d'une conf sur la performance, on va vous parler de performance, mais aussi de résilience. Alors, Leroy Merlin, c'est 142 magasins en France. C'est le sixième site e-commerce français au premier semestre 2021, cinquième au deuxième trimestre 2021. C'est, il y a 24% de la population française qui visite le site Leroy Merlin tous les mois. On a une répartition trafic qui est plus orientée mobile, avec 55% des utilisateurs qui accèdent au site via le mobile, et 45% desktop plus tablette. La clientèle est très hétérogène, donc ça veut dire des vieux devices, des nouveaux devices, des connexions Internet 3G qui ne marchent pas bien, comme des connexions qui fonctionnent très très bien. Et quand un utilisateur vient sur le site leroymerlin.fr, en moyenne, il voit 7 pages. Alors bon, on vous cite pas mal de chiffres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces chiffres, en fait, ont servi à construire toute l'architecture qu'on va vous présenter juste après. Et ben, bon, on est fiers, donc on va le dire quand même. On est premier au classement WebPerf édité par JDN et Fasterize. Bon, ça fait quasi un an, à part un mois où Amazon est repassé devant nous. Et là, le classement vient de sortir encore aujourd'hui, donc on a dit « ouf, c'est bon, on est encore premier ». Nos concurrents. Alors, si on revient 10 ans en arrière, on était plus sur des concurrents de type Click and Mortar. Donc, en gros, c'est des magasins qui avaient pignon sur rue, comme Leroy Merlin, et qui se sont mis à faire de la vente sur Internet. Aujourd'hui, les concurrents, bah, c'est plus des pure players. On en connaît plusieurs. Hein. Et notre terrain de bataille avec ces pure players, bah, c'est tout d'abord le time to market, être en capacité à délivrer le plus rapidement possible des fonctionnalités en production. Le SEO, quand on fait du web, il n'y a pas de secret, surtout du e-commerce. La web performance, la résilience, disponibilité, bah, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et des choses qui sont aussi très importantes, c'est l'individualisation, la contextualisation des pages et la qualité de la fraîcheur de la donnée. La contextualisation, j'ai parlé de 142 magasins en France, c'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez venir sur le site leroymerlin.fr et vous contextualiser sur le magasin le plus proche de chez vous. Donc vous avez des informations spécifiques pour le magasin, des disponibilités différentes d'un autre magasin, potentiellement des prix promo qui peuvent être aussi différents. Et pour l'individualisation, bah, j'ai envie de parler d'un site que tout le monde connaît, c'est Amazon. Quand vous allez sur Amazon, vous voyez apparaître votre nom, votre prénom, votre adresse, les derniers produits que vous avez consultés. En fait, on a des pages hyper individualisées, hyper personnalisées. Et aujourd'hui, dans la concurrence avec les pure players, c'est vers ça clairement qu'on doit aller. Alors, on a aussi, tout ce qui est terrain de bataille, la disponibilité des produits, délivrance et prix, ça nous concerne un petit peu moins aujourd'hui, donc on n'en parlera pas. Si on revient quelques années en arrière, en 2017, voilà à quoi ressemblait notre process de dev. En fait, on avait un gros monolithe qui avait plus de 7 ans. On était une centaine de personnes à travailler sur le site Internet. Et donc, on avait des files d'attente interminables pour passer sur les différents environnements et pour aller jusqu'à la production. Donc, les ambitions IT étaient clairement complètement inatteignables, pardon, en l'état.
Et pour un temps, on avait déjà des perfs, des web perfs qui étaient plutôt honorables. Donc on est monté beaucoup en compétences pendant ces années-là. Si on parle un peu d'infrastructure, on fonctionnait avec des grosses VM, beaucoup de vCPU, beaucoup de RAM. Quand on faisait du scaling, que ce soit horizontal ou vertical, bah, c'était avec nos petites mains et ça prenait des fois plusieurs jours. Et on était en mode sticky session, ce qui veut dire qu'un utilisateur, quand il était connecté sur le site internet, il était stické sur un serveur. Et si le serveur tombait, bah, forcément, c'était pas tip-top côté résilience. Et là, on s'est dit, bah, on va complètement tout repenser. On va partir d'une feuille blanche. Donc, on a regardé un petit peu, surtout pour répondre aux problématiques de time to market, il fallait trouver une nouvelle architecture. Et en fait, on s'est orienté vers l'architecture micro-front. Alors, si on prend l'architecture microservice, que vous connaissez certainement, si on fait le parallèle avec l'architecture micro-front, l'idée, c'est de prendre une page, la découper en plusieurs morceaux fonctionnels et donner chacun de ces morceaux à des feature teams différentes. Les feature teams sont autonomes. Elles peuvent déployer indépendamment des autres feature teams, que ce soit du développement à la production, elles sont complètement autonomes. Et au niveau infrastructure, on a aussi quasi tout changé. On est parti sur du cloud, donc on a déployé dans des containers. Le scaling se fait maintenant horizontalement et automatiquement, surtout, en fonction de la charge sur le site internet. On est passé en mode stateless. Et au niveau de la programmation, c'est pareil, on a changé beaucoup de choses, on est passé en programmation réactive. Alors, au niveau de la démarche WebPerf, ce qui se passe souvent, c'est que vous avez un site, vous sortez plein de trucs, ça commence à bien marcher, et puis à un moment donné, vous posez la question, ah ouais, mais il faudrait peut-être faire de la WebPerf pour augmenter mon taux de conversion. Et là, souvent, vous avez des quick wins, il y a plein de choses à faire, et si vous voulez aller jusqu'au bout de la démarche, ça va vous prendre énormément de temps et généralement, il faut revoir complètement votre architecture, voire votre infrastructure. Et donc, puisqu'on partait d'une feuille blanche à Leroy Merlin, nous, on a construit notre architecture tout de suite en pensant performance applicative et web performance. Et tout ce qui a été imaginé derrière était fonction de ces deux drivers. Alors, au niveau des micro-frontes, on vous a préparé une petite démo. Alors, c'est le genre de truc qu'il ne faut surtout pas faire pendant un talk, mais on va le tenter quand même. Donc en fait, vous avez un petit QR code. Vous pouvez scanner avec votre téléphone. Ça va vous amener sur une page sur notre site en production, hein, le site leroymerlin.fr. Donc la page, c'est we-love-speed. Aujourd'hui, là, si vous y allez, vous allez voir, il y a juste un header et un footer, mais on va y ajouter quelques composants ensuite. Alors, tout d'abord, on va définir ce qu'est un micro-front. Un micro-front, donc, c'est une application qui est autonome, qui délivre un ou plusieurs fragments, qui a son propre cycle de vie, développement, production et même tout ce qui est problématique de run. C'est déployé dans un container et c'est scalable horizontalement. Et puisqu'on a parlé de fragments, on va définir ce que c'est. Un fragment, c'est un composant métier qui est autonome, et qui peut être ajouté ou supprimé sur une page sans aucun impact sur la page. Donc si vous êtes allé voir notre petite page, normalement elle ressemble à ça. Il y a un header, il y a un footer, il n'y a pas grand-chose. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un fragment sur cette page qui provient d'un micro-front, puisqu'en fait, on a développé juste pour l'événement aujourd'hui un petit micro-front qui contient 4 fragments. Et là, en fait, bon, on s'est basé le thème, hein, il était tout trouvé, « We love speed ». Voilà, je vais ajouter mon composant. J'espère juste que mon VPN n'est pas parti. Voilà. Je vais publier ma page. OK. Et je vais rafraîchir. Vous pouvez faire la même chose sur votre téléphone. Hop. Voilà. On a vu apparaître, en fait, un nouveau fragment sur notre page. Tout à l'heure, je vous parlais de personnalisation. Là, typiquement, je suis connecté à mon compte internaute. La page est personnalisée. Je vois apparaître mon prénom. Ça, c'est généré côté serveur parce que d'un point de vue WebPerf, si on commence à faire de l'Ajax pour aller chercher des données côté récupérer des données côté serveur après l'affichage de la page, c'est pas top. Alors, en construisant cette architecture, on a fait des choix très structurants. On a dit que les fragments seraient complètement autonomes et indépendants. Parce qu'en fait,
Un fragment, en fait, on veut pouvoir le développer dans n'importe quelle technologie. Si on veut changer de technologie du jour au lendemain, s'il y a des feature teams qui sont plus compétentes sur une technologie ou une autre, on veut qu'elles soient en capacité de fonctionner avec d'autres technologies. Et potentiellement aussi des technologies, une même technologie et dans différentes versions. Donc les fragments qui sont autonomes sont responsables de charger leurs données, souvent via des API, et elles embarquent aussi leurs propres ressources statiques, les CSS et les JS, notamment. Et le deuxième grand parti pris, puisqu'on veut des pages contextualisées et individualisées, on a décidé de mettre aucun contenu HTML en cache CDN, ce qui se pratique beaucoup hein, dans le e-commerce. Nous, ça, on ne fait pas. Du coup, le contenu personnalisé, ça veut dire que forcément, on va le chercher côté serveur. Et ça nous permet d'avoir un contrôle très fin sur la fraîcheur de la donnée et ce qui est affiché. Alors les problématiques que ces choix amènent, puisqu'on a des fragments qui sont autonomes et indépendants, on a potentiellement de la multiplication de ressources statiques, de la duplication de code, CSS et JS notamment. On n'a pas de partage de données entre les fragments, et on a des multiplications d'appels aux API. Et sur le fait qu'on ne mette pas de contenu HTML en cache CDN, ça veut dire qu'il faut remonter à l'origine à chaque fois, donc potentiellement enfin, à chaque fois de la latence supplémentaire, de la charge aussi plus importante sur nos serveurs, et on aura forcément des temps de réponse qui seront plus importants que si on avait une page stockée dans un CDN. Alors du coup, avec ces problématiques-là, il y a eu vraiment une grosse réflexion sur quel techno front-end on peut utiliser. Pour répondre à ça, on s'est listé des points d'attention. On en parlait en préambule, le SEO, c'est le nerf de la guerre. Et finalement, par rapport à ça, on s'est dit, on va faire des pages générées côté serveur qui chargent rapidement. À l'époque, en 2017, on parlait beaucoup du TTFB, justement, sur l'indexation des pages. On l'a dit aussi, on avait déjà en 2017, justement, une population plus mobile que desktop. Donc on partait aussi sur cette idée d'avoir des pages très légères, avec très peu de traitement côté client. On sait que nos clients ont des devices un peu pourris, et du coup on voulait justement pas trop les surcharger. Peu de pages vues par visite, c'est pareil. Ça c'est une tendance qui se retrouve souvent sur le e-commerce. On a des visiteurs qui partent très vite. Et il y avait cette question de bah, est-ce que ça vaut le coup de charger une ressource lourde pour aussi peu de pages finalement, au final sur laquelle on pourrait pas trop capitaliser. Le rapport entre la Dev XP et l'expérience utilisateur, là justement, c'est souvent, ça s'est dit aujourd'hui, hein, mais un framework va permettre d'améliorer finalement ces deux types d'expériences. Gros point hyper important, on était sur une refonte totale, donc avec vraiment, on pensait à 5, 10 ans, enfin vraiment c'est quelque chose qui est censé être pérenne. Donc quand on connaît le cycle de vie des frameworks JS aujourd'hui, sur lequel on peut miser. Et le dernier, c'est un peu le sujet aussi de la conf, c'est que bah, voilà, quel framework permettrait de faire cette isolation des fragments, là où souvent on est plus sur une idée de construction de pages complètes, voire de sites. Donc en face de ça, on avait 4 types de solutions. La première, du server side rendering avec du vanilla JS. La deuxième, du server side rendering avec une librairie client, genre jQuery ou les plus modernes, Alpine JS et autres. Troisième, un mix entre client-side rendering et server-side rendering, avec l'hydration et avec bah, justement les technos qu'on connaît, Vue, Angular, React, ou du full client-side rendering en dernière solution. On s'est fait une petite grille de notation, et ce qui remporte la palme, en tout cas pour le roi Merlin, c'était cette solution justement server-side rendering et vanilla JS. On a des pages qui ont très peu d'interactivité sur le site, c'est toujours des pages listes assez simplistes. Simpliste, c'est pas, désolé pour le mot, mais c'est plus simple. Finalement, il y a très peu d'interactions. On n'avait pas vraiment besoin d'avoir du JS très poussé sur ces pages-là. Et on a ouvert sur les autres pages, comme par exemple le tunnel de commande, les outils d'aide à la vente, le compte internaute, la possibilité justement d'utiliser d'autres technos, comme je les ai cités justement, pour pouvoir utiliser un framework au sein de notre architecture. Et ce que Ludo a dit, c'est le premier point qui faisait mal dans ce contexte de micro-front-end, c'est qu'on va faire de la duplication de code. Une page, aujourd'hui une page produit, même dernièrement, une page produit peut contenir 30 fragments. Et si on suit la logique du micro-front-end, chaque fragment va venir chercher ce dont il a besoin. En gros, vous avez 30 fois du code dupliqué de fragment en fragment.
Et la question qui arrive tout de suite derrière, c'est en tant que développeur, on aimerait bien factoriser les choses. Il va falloir faire une petite entorse finalement à cette logique de micro-front-end, c'est de faire du tri entre qu'est-ce qui peut être commun, c'est-à-dire du coup appeler une seule fois dans la page dans une ressource unique, et qu'est-ce qu'on peut laisser finalement au loisir du fragment. Et du coup, on va laisser appeler ce genre de ressources directement dans le code du fragment. Donc ça, c'est une petite infographie pour montrer le tri qu'on fait, et c'est vachement évolutif en fait, c'est pas du tout gravé dans le marbre, c'est quelque chose qu'on fait vivre au fur et à mesure. On va plus retrouver dans ce fichier commun des notions de typographie, d'éléments UI très basiques, mais dont on est sûr finalement qu'ils vont être répétés au sein de la page, des couleurs, des espacements et autres, pour laisser finalement de côté spécifique, c'est-à-dire dans le fragment, plus des éléments métiers ou en tout cas des éléments de formulaire, ce genre de choses, où là finalement c'est un peu plus spécifique et un peu plus contextuel. Comment on fait ça? C'est très simple, on utilise NPM pour exposer des dépendances qui vont être consommées justement par les fragments, enfin du coup par soit la ressource commune ou soit par les fragments. On a notre design system qui s'appelle Mosaic et qui expose toute la partie CSS pour les éléments UI, et on expose aussi des petites bibliothèques JavaScript qui vont pouvoir être consommées justement au besoin. On a parlé d'isolation des fragments et on va pouvoir parler finalement du contexte des fragments. En gros, chaque fragment doit avoir, on va dire, son scope. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, puisque justement, via le code, ce n'est pas réellement ce qu'on fait. Mais en gros, chaque fragment va avoir un ID sur sa balise de parent HTML. Et côté CSS, on va faire quelque chose de très simple. On va réutiliser cet ID pour pouvoir contextualiser son CSS. Pareil, côté JS, on va utiliser les classes JS classiques pour avoir des méthodes et des attributs propres aux fragments. Donc, nos fragments sont isolés. Et du coup, pour communiquer entre eux, ils utilisent un bus événementiel très rudimentaire, mais finalement très efficace. On n'a pas besoin finalement d'une sulfateuse pour faire ça. Et en gros, quand j'ajoute au panier, j'émets un événement addToCart qui est écouté par mon header, et du coup, qui va mettre à jour la quantité du panier en haut. Alors Bertrand, il vous a raconté sa vie côté front, mais bon, au final, si on n'a pas des temps de réponse correct côté serveur, bon, ça ne sert à rien. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe côté serveur. Donc on vous a parlé de fragments. En fait, tous ces fragments, on les appelle, il faut les agréger. Et la première solution pour faire ça, ça aurait été de faire des appels séquentiels. Et dans ce cas-là, on aurait eu un temps de réponse qui aurait été égal à la somme des temps de réponse de tous ces fragments. Mais puisque ces fragments sont complètement indépendants, on s'est dit, on va appeler le tout en parallèle. Et du coup, on va réduire le temps de réponse au temps maximum du fragment le plus long. Et là, si vous regardez bien à quoi ressemble ce graphique, en fait, on vient d'inventer le waterfall côté serveur. Bon, en fait, on n'a rien inventé du tout, mais par contre, on l'a représenté. Si je reprends ma petite page que vous avez affichée, en fait, j'ai des outils de debug. Alors, vous ne les aurez pas, forcément, on est en production, donc ça ne sera pas disponible chez vous. Et là, vous allez voir, en fait, le temps de réponse de ma page, donc un temps de réponse qui a pris 69 millisecondes et tout a été parallélisé. Alors la problématique avec cette gestion de fragments, c'est que on sait qu'à un moment donné, il y aura forcément quelque chose qui ne fonctionnera pas dans notre système. Donc un fragment, par exemple, qui appelle une API, l'API qui ne fonctionne pas, ou une base de données qui est en difficulté, il y aura forcément à un moment donné certains de mes fragments qui vont planter. Et donc, plus j'ai de fragments sur une page, potentiellement, plus ma disponibilité va diminuer. Et de la même façon, sur la performance, au niveau des temps de réponse, les fragments n'auront jamais le même temps de réponse. Donc là, c'est pareil, on va toujours s'aligner sur le temps le plus long. Et encore une fois, une API en difficulté, on peut avoir des temps de réponse qui sont assez énormes. Pour ça, on vous a créer deux petits composants qu'on va ajouter sur notre page. Donc, j'ai un premier composant speaker qui reprend tous les speakers qui interviennent aujourd'hui à Wheel of Speed. Et ce composant, il a la particularité d'être super lent, puisque son temps de réponse est de 2 secondes. C'est pas grave, on va l'ajouter. Voilà. Et un deuxième composant qui est sponsor, avec la liste de tous les sponsors qui sponsorisent l'événement Wheel of Speed, que je vais ajouter.
Et ce fragment a pour particularité de ne pas être résilient du tout, parce qu'il va planter une fois sur deux, 50% du temps. Donc, je vais publier ma page, et puis on va la rafraîchir. Hop, donc j'attends. Voilà. Ah, page d'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, j'ai mon fragment sponsor, on voit là qui est en rouge en bas. Ben, mon fragment a planté. Je vais rafraîchir ma page jusqu'à avoir un temps de réponse, avoir quelque chose. Bon, voilà. Là, j'ai eu un temps de réponse, mais si on regarde bien, le TTFB, bah, il n'est franchement pas tip-top, quoi. Pour autant, j'ai eu ma page avec tous mes éléments. Alors, comment résoudre ce problème? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si vous prenez une page produit, par exemple, vous avez des trucs super importants sur la page produit. C'est surtout ce qui est la présentation du produit, bon, peut-être des éléments de navigation, le header, l'ajout au panier, peut-être. Par contre, tout ce qui est plus bas, tout ce qui est upselling, cross-selling, produits complémentaires, les avis clients, par exemple, les questions-réponses, tout ça. Est-ce que ça a la même importance? Et est-ce qu'éventuellement, on peut s'en passer si on a un problème sur une API? Bah, clairement, nous, on a dit oui, il vaut mieux présenter quelque chose d'utilisable au client que d'afficher une erreur 500. Et dans ce cas, en fait, on a introduit la notion de fragments primaires et fragments secondaires. Donc les fragments primaires qui sont représentés en vert dans notre cas. Et on voit aussi que sur la performance, puisqu'on est capable de répondre à l'utilisateur quand on a juste les fragments primaires qui ont répondu, et bien en fait, on peut aligner le time to first byte au temps maximum des fragments primaires. Et dans ce cas-là, même si j'ai un fragment en bas de page qui prend 2 secondes, là, comme sur notre exemple, eh ben, c'est pas grave, en fait. Au-dessus de la ligne de flottaison, on aura un affichage qui va se faire très rapidement au niveau du client, et ce qui se passe un peu plus bas, limite, on peut se permettre un délai un peu plus long. Et donc, c'est ce qu'on va faire sur la démo. En fait, notre page qui n'était pas résiliente du tout, pas performante du tout, on va changer le fonctionnement de nos fragments. Donc, on voit que le fragment speaker est primaire. Eh ben, je vais supprimer la notion de primaire. Et pareil, mon composant qui est sponsor, qui est primaire, je vais supprimer la notion de primaire. Et on va rafraîchir notre page. Et là, vous voyez en fait tout de suite le document s'affiche, alors que potentiellement, ce qui est en bas de page ne s'est pas affiché. Là, j'ai mon fragment sponsor qui a planté, donc c'est pas grave, je ne l'ai pas affiché. Et si je rafraîchis encore une fois ma page, vous allez voir, quand je scroll, là, la page est bloquée et tout d'un coup, le contenu arrive. Donc, en fait, on stream le contenu à l'utilisateur. Alors maintenant, quand on travaille sur des architectures avec beaucoup de charges, il y a toujours la question, est-ce qu'on doit utiliser du cache ou est-ce qu'on ne doit pas en utiliser? Tout à l'heure, on a dit pas de cache côté CDN. Maintenant, est-ce qu'au niveau de l'infrastructure, il faut en ajouter ou pas? Alors, quand on parle de cache, quand on fonctionne avec un cache immutable, c'est génial. C'est ce qui se fait sur le CDN. Hein. On pousse une ressource statique, un CSS, un JS. Et si la ressource statique change, il suffit de changer l'URL et le problème est résolu. Par contre, quand on commence à fonctionner avec des caches avec un TTL, bah, généralement, c'est le début des ennuis. Et on a des problèmes de fraîcheur de la donnée, puisque si on met un TTL de 5 minutes, potentiellement, pendant 5 minutes, on n'est pas sûr d'avoir une donnée fraîche. On a des déphasages de données sur les architectures microservices. Imaginez une appli qui est scalée horizontalement avec plusieurs instances. Potentiellement, vous pouvez avoir un déphasage de cache entre les instances. Et pour ça, on pourrait ajouter un cache distribué, mais bon, qui complexifierait l'architecture et qui ne solutionnerait pas le problème de fraîcheur de la donnée. Mais j'ai envie de dire, le cache, bah, ça améliore grandement la perf. Tout le monde le sait, ça limite la charge sur l'infrastructure, tout le monde le sait. Est-ce que vous avez déjà vu une infrastructure web sans cache? Moi, j'en ai jamais vu. Donc, en fait, il y a un moment donné, bah, il faut faire avec le cache. Alors, pour ça, en fait, on a travaillé sur différents patterns. Le premier pattern est d'éviter des appels simultanés pour une même ressource sur une même API. Je prends par exemple sur la home page, je vais présenter un composant qui est toujours le même. Si j'ai une grosse charge sur cette home page, ça ne sert à rien de faire les appels en parallèle à mes API, autant les limiter. Donc c'est ce qu'on fait en fait avec ce pattern-là qui permet de limiter la charge sur nos API. Ce pattern, c'est la base de tous les patterns qu'on va décrire ensuite. Ensuite, on va ajouter un cache, comme on connaît.
Par contre, ce cache, on va limiter dans le temps. On va dire peut-être c'est un cache de 5 secondes, de 10 secondes, en fonction des besoins. Et dans ce cas-là, on diminue grandement les appels à nos API. À ça, on va ajouter une notion d'asynchrone. C'est-à-dire que grâce à ce pattern, on va être capable de répondre systématiquement, instantanément à l'utilisateur. Avec une donnée qui va peut-être être expirée, si par exemple on met un TTL de 60 secondes, mais on considère que notre donnée en cache est valide 5 secondes, dans les 5 secondes, les premières 5 secondes qui se passent, on sert le contenu à l'utilisateur. Et par la suite, on va juste déclencher un appel asynchrone pour une mise asynchrone du cache. Alors, tous ces patterns, en fait, ils ne solutionnent pas les problématiques de fraîcheur de la donnée. Potentiellement, on a toujours un déphasage. Et là-dessus, en fait, on va travailler sur des patterns d'event-driven cache. L'idée, là, c'est que la base de données va nous envoyer des événements pour nous dire « Tiens, il y a eu un changement chez moi ». Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va éviter notre cache sur l'événement, et au prochain appel, on ira recharger le cache. Alors encore un petit défaut avec ce pattern, c'est que potentiellement, il y a une petite latence au moment où le cache va être évicté, et quand on va aller rechercher au niveau de l'API, il y aura une petite latence. Et bien, à ça, pour solutionner ce problème, on va rajouter une notion d'asynchrone, comme on a fait pour le cache classique. C'est-à-dire, quand on va recevoir l'événement, eh bien, on va déclencher la mise à jour automatique de notre cache. Et dans ce cas-là, d'un point de vue client, ça sera instantané avec une fraîcheur de données toujours impeccable. Alors, tout ça, c'est très, très théorique. Et du coup, on va passer un petit peu sur notre infrastructure. Alors bon, on n'a pas tout représenté, hein, bien sûr, c'est très schématisé. Tout à gauche, notre internaute, il n'est pas tout seul, hein, il y a du monde. Lui, il génère 3000 hits par seconde environ sur le CDN. Ça, c'est des mesures qui ont été prises sur une après-midi classique, un jour classique. Et sur ces 3000 hits par seconde, c'est 230 pages vues par seconde environ. Donc on a dit, on remonte systématiquement à l'origine. L'origine, c'est notre agrégateur de microfontaines qu'on a appelé le glueur. Là, on descend à 500 hits par seconde puisque le CDN prend en charge toutes les ressources statiques déjà. Notre agrégateur de microfonte, il a besoin de la configuration globale de notre infrastructure. Pour ça, il va utiliser en haut à gauche une API qui s'appelle Registry qui contient toute la configuration de l'infrastructure. Et grâce au pattern d'Event-Driven Cache et Event-Driven Cache plus Async, en fait, toutes nos briques ont systématiquement à jour la configuration globale de l'infrastructure microfront, sans faire jamais aucun appel inutile quoi, sur l'API. Tout à l'heure, quand j'ai fait passer le fragment de primaire à non-primaire que j'ai sauvegardé, c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai mis à jour, j'ai appelé mon API, j'ai mis à jour dans ma base de données, et les événements sont remontés et instantanément en fait les données ont été prises en compte. Alors notre agrégateur de microfontaines, il a besoin d'une structure de page. Pour ça, il va appeler le shaper en haut, enfin, au milieu à droite, qui permet d'avoir le templating de la page. Là, on va utiliser de l'event-driven cache. Tout à l'heure, quand j'ai ajouté un composant sur ma page, que j'ai designé ma page, bah, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, un événement qui est remonté de la base de données. Et c'est pour ça que quand je rafraîchis sur ma page, sur le site internet, c'est instantané. Mais mon glueur, donc mon agrégateur de microfontes, il a besoin d'appeler les différents microfontes. Donc là, en fait, lui, avec 230 pages par seconde, il va générer 5000 hits par seconde sur la totalité de nos microfrontes. Alors, plus ou moins répartis, hein, il y en a qui vont se prendre 1000 hits par seconde, d'autres beaucoup moins. Et là encore, on va utiliser des patterns type cache plus async, par exemple, sur certains composants, pour réduire grandement la charge sur notre infrastructure. Une fois qu'un microfont a terminé son boulot, donc il délivre une partie de la page, les microfontes ne connaissent pas les URL. Donc, ils connaissent juste ils vont positionner des placeholders pour pouvoir reconstituer une URL après. Un placeholder, c'est par exemple un produit avec une référence 1, 2, 3, 4. Et dans ce cas-là, il va transmettre ça au glueur, et c'est au glueur de résoudre ces placeholders. C'est 15 000 placeholders qui sont résolus par seconde sur le site couramment. Et encore une fois, grâce au pattern event-driven cache, on va limiter énormément la charge sur notre API tout en bas de résolution d'URL. Alors, on va revenir à des choses un peu plus intéressantes, hein, si vous n'êtes pas trop perdu dans les patates et les flèches. Un petit mot sur comment on gère nos ressources et la criticité de nos ressources.
Donc, ce qui est cool avec cette logique de micro-fragments, c'est que chaque fragment va pouvoir dire comment on va envoyer en HTML les ressources, comment les ressources vont être gérées. On a trois niveaux de criticité, donc le critique pour tout ce qui va servir l'affichage au-dessus de la ligne de flottaison, un niveau intermédiaire asynchrone d'effer et un niveau qu'on pourrait dire de lazy load pour mettre ces ressources-là carrément à la queue du chargement. Donc on va vous faire une petite démo là-dessus avec un quatrième composant, un composant lourd, le composant de la team organisatrice, je suis désolé, où c'est un composant en fait qui va faire des imports CSS plus ou moins récursifs et du coup qui va bloquer l'affichage le temps que tous ces CSS-là ne soient pas chargés. On a un tout petit problème technique. Okay, bon, j'ai plus de VPN, on va vous montrer la démo puisque le VPN a sauté. Comme ça, on avait enregistré un petit truc. Du coup, on va passer directement à ce qui a été enregistré. Alors, deux minutes. Voilà, magie du direct. C'était la dernière démo. On a réussi 3 démos sur 4. C'était pas mal, ouais. Mais c'était la plus intéressante. Et du coup, là, ce qu'on vous montre, en fait, on glisse là le fragment justement en bas de page. On scrolle, hop, petit glisser-déposer. On publie. Et on va revenir sur notre page qu'on va recharger. Et vous voyez sur la waterfall à droite, le rendu est bloqué parce que tous les CSS sont en train de se charger. Hop, on a eu l'écran blanc et ça a été rendu. Là, on retourne dans notre designer, où là, on va pouvoir rajouter des attributs. Donc, c'est vraiment au fragment qu'on peut faire ça. On va pouvoir ajouter des attributs pour dire que le CSS doit être lazy loadé. Donc, du coup, il va être chargé en fait au DOM content loaded. On va remplacer, c'est un data-href, et on mettra sa valeur dans le href de la balise link CSS. Et du coup, ben voilà, magie de l'informatique, rechargeons. Et là, vous voyez, le rendu n'est pas bloqué. Malgré le fait finalement que tous les CSS sont en train d'être chargés à côté. Donc si on revient à notre presse, et là notre presse ne plantera pas, un petit mot sur notre build, on n'a vraiment pas réinventé la poudre, on utilise Webpack pour le faire, et en gros Babel pour transpiler en ES5 pour les navigateurs un peu plus difficiles comme IE11. Mais ce qu'on utilise surtout, c'est le user agent qui est transmis au serveur pour ventiler, en fait, soit un fichier compilé en ES2015+, ou alors, pour les vieux nanars, on lui sert un fichier en ES5. Le gain par rapport à ça, c'est qu'on a gagné 30% de poids de fichier, tout en s'occupant toujours d'IE11 en programmant en ES2015+. Petit mot sur les images responsives, on l'a vu ce matin avec une très belle conf là-dessus. On utilise notre CDN Fastly pour faire du redimensionnement et du cropping des images dynamiques, la compression aussi, et on sert du WebP si le navigateur est compatible. Contrairement à ce qui a été dit ce matin, nous on a observé une baisse de 20% du poids des images, mais on n'a pas aussi un travail de compression des images en amont. C'est vraiment le CDN qui charge de tout ça, donc on a vu une différence là-dessus. Un mot sur le serveur push, puisque c'est depuis cette année, c'est ce qui nous permet justement de servir nos ressources critiques. Quand on parle de CSS critique, on peut penser souvent plus à des balises style avec le code CSS qui est implémenté dans la partie HTML. Là, nous, on est toujours sur des ressources.css qui sont appelées. Et donc, on les sert via du serveur push. Donc, la première question, c'était, est-ce que c'est déprécié? Parce que quand on regardait la littérature sur le web, ça avait l'air d'être le cas. On a demandé à Google, qui nous a répondu non, parce qu'on n'a pas mieux. Le early int n'est pas encore là, donc vous pouvez l'utiliser. Deuxième chose, on vous l'a dit, on a plus de nouveaux visiteurs que d'anciens, que de visiteurs récurrents. Et pourquoi c'est hyper important comme info? C'est parce que le serveur push, il a une mauvaise manie. Il va pousser à retélécharger des ressources qui sont pourtant dans le cache du navigateur si on change de session. Donc vous voyez, si j'ai un visiteur récurrent, même s'il a des images qui sont déjà en cache, le serveur push va les repousser. Par contre, ce qui est carrément cool, c'est que le téléchargement de ces ressources arrive au premier octet. Et donc là, vous avez gagné un temps assez fou pour télécharger ces ressources-là. Encore une fois, attention à ne pas tout mettre dedans, puisque vous allez forcément faire un peu de contention. Donc le gain qu'on a vu là-dessus, c'est un meilleur DOM Content Loaded, un meilleur FCP. On a pu précipiter l'affichage de la page, et au détriment d'une autre notion, un petit peu importante, le Cumulative Layout Shift. On reste sur des scores qui sont sympas quand même, on est à 0,04, mais on voit qu'on est un peu plus en dents de scie,
forcément, on a précipité l'affichage et on s'expose à des petits... on redessine un tout petit peu la page, pas forcément perceptible par l'utilisateur, mais voilà. Pourquoi on a fait tout ça? C'est parce que justement, on rendait l'autonomie au fragment. Et je vais vous parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé à Wheel of Spin, mais moi que j'adore, hein, c'est les tiers, les ressources tierces. Aujourd'hui, le poids des pages, 60% du poids de nos pages, c'est des ressources tierces. Les petits scripts qu'on met en bas de page, là, qui sont faciles à implémenter et qui sont géniaux. Ça pose un problème que dans une idée de tag management, parce que dans une logique de micro-frontend, chaque composant ramène sa donnée, il est responsable de sa donnée. Un outil de tag management, lui, il a besoin de toutes ces données. Comme vous le voyez, là, il y a une désignation dans un fragment, un prix, un magasin, finalement, d'attachement de l'utilisateur. Il faudrait finalement qu'on ait un autre fragment qui ramène tout ça une deuxième fois pour envoyer finalement, pour créer la data nécessaire pour envoyer au tiers. Donc ce qu'on a fait, c'est que du coup, chaque fragment crée un JSON avec les données qu'il a sous la main. Et au window unload, donc du coup, pour pas du tout bloquer le rendu de la page, on va créer l'objet global dont a besoin souvent les outils de tag management. Et une fois qu'il est créé, on va appeler enfin le script de tag management qui va ventiler ensuite vers les tiers. Petit focus sur l'AB test, qui est aussi une plaie souvent au niveau perf, surtout que on a toujours ce truc où même quand on fait un AB test, on n'impacte pas 100% des pages, on est plus sur une logique d'échantillonnage. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un fragment qui a une petite intelligence finalement qui va appeler l'API de l'outil pour connaître les pages où il y a un AB test actif. Et en gros, seulement sur ces pages-là, seulement sur ces URL-là, il va venir implémenter la balise de script bloquante de l'outil d'AB test pour justement que ça puisse se dérouler. Et 99% des autres pages, du coup, ne sont pas impactées. On parle toujours autonomie, mais là, plus au niveau des équipes, et ça va faire écho finalement avec ce qu'on a vu avec le Bon Coin ce matin, puisque quand on pose la question de la culture web performance dans une boîte, on a cette caricature-là. C'est souvent chaque métier un peu sa perception de la web performance. C'est des caricatures et un peu de vécu. Mais par exemple, si on prend la partie analytics, souvent, quand on va parler web performance, on va parler de load time dans Google Analytics. Côté UX, UI, là c'est un peu méchant, mais comme si le monde tournait seulement autour de Mac et d'iPhone. Mais voilà, on n'a pas du tout finalement la même définition de tout ça. Et nous, on est passé par 4 piliers d'uniformisation, très basiques, hein, et finalement, ça rejoint déjà ce qui a été dit aujourd'hui, mais voilà, d'avoir finalement des personas types, de bien connaître ses utilisateurs et de faire des cas de test finalement uniques qui sont après partagés au sein de toute la boîte. Ça permet finalement d'analyser son site, encore une fois, tout centralisé sur un outil unique. Pourquoi? Parce qu'on parle au moins on parle de la même chose à chaque fois. Je pense que vous avez vécu ça. Il n'y a pas deux développeurs qui ont, les mêmes résultats à Lighthouse parce qu'ils testent en local et finalement, selon la qualité de la connexion ou autre, on ne va pas avoir les mêmes résultats. On perd énormément de temps juste à savoir ce qui est valide. Et du coup, une fois que ces indicateurs que l'outil est bien calibré, on va pouvoir générer des rapports et bien communiquer autour de KPI. On aura choisi quelques KPI finalement pertinentes qu'on communiquera à l'ensemble de la boîte. Et ensuite, une stratégie d'animation des équipes techniques pour toujours leur coller au train, pour leur dire voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites bien votre travail avec justement tout ce qu'on a défini en amont. Le gros problème de ça, c'est que finalement, on a refait un monolithe avec ça. C'est qu'on a créé un pôle d'experts qui fait tout, qui fait les 4 tâches un peu dont j'ai parlé, et qui communique un petit peu avec les équipes tech. Donc nous, on est en train de glisser justement un peu sur cette décentralisation pour que justement chaque pôle se re-responsabilise par rapport à ça et aussi un rôle, plutôt que juste un rôle d'attente finalement, et nous, on fait le gendarme pour leur remonter ce qui ne va pas. Pour terminer sur ça, on a un autre levier là, sur 2022 qui a déjà démarré en 2021 mais qui prendra plus de place. C'est que le roi Merlin s'engage sur son impact environnemental et sociétal. Et si on parle Green IT, on parle beaucoup web performance. Et finalement, j'aime toujours un peu ce petit dessin où tout est imbriqué, web perf, SEO, Green IT et accessibilité. Opquast, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore aussi ça. Et c'est un gros levier puisque ça nous permet de sensibiliser plus fortement, de plus former finalement tous les métiers et surtout de bien prioriser la web performance sur l'année à venir. Donc on a encore un peu de travail aussi. Ouais, donc on va essayer de répondre à la question qui a été posée dès le début.
Vous l'aurez compris, hein, pour nous, l'architecture Microfront, ça a été clairement un levier. Ça nous permet, le fait de découper en petits morceaux notre page, ça permet de contrôler beaucoup plus facilement les éléments, les fragments qui sont sur les pages. Donc c'est une meilleure gestion des ressources critiques, un meilleur rendu du contrôle, un meilleur contrôle du rendu des pages, pardon, un meilleur time to first byte, une meilleure résilience. Enfin, tout est au vert, hein, j'ai envie de dire. Alors maintenant, vous allez peut-être vous dire, est-ce qu'il faut partir sur l'architecture Microfront ? En fait, il faut savoir que l'architecture Microfront, ce n'est pas seulement un défi technique. Il faut prévoir un grand changement d'organisation dans vos structures et une gestion du changement. Quoi. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez... Ouais. Et merci à l'organisation, on a très bien mangé hier. Test. Des questions ? Bonjour, merci pour toutes ces informations. J'ai des questions par rapport aux équipes qui sont derrière chacun des fragments. Si vous pouvez nous en dire plus de qui elles sont constituées en termes de développeurs front, back, design, engineering, etc., manager. C'est un peu la composition de feature team classique, avec justement un représentant de chaque métier, UX, enfin, basiquement, c'est un PO, un Scrum, quelques devs. On a des UX/UI un peu plus tournants, on va dire, d'équipe en équipe. Je ne vais pas vous faire une autre presse sur notre organisation, parce que déjà, on ne la comprend pas tous. Et elle bouge tout le temps, en fait, mais elle est énorme. Il y a une logique de plateforme, enfin, ça fait un peu poupée russe. Mais finalement, la granularité la plus basse, c'est ça, c'est la feature team avec très, très classique ces représentants-là. On a des équipes avec des full stack ou d'autres avec des vrais intégrateurs, des trucs comme ça, mais c'est très, très disparate. Là, s'il fallait chiffrer, on a 18 domaines où il doit y avoir 5-6 feature teams par domaine et avec à chaque fois 4-5-6 membres dedans. Quoi. Une autre question ? J'arrive. N'hésitez pas à lever les mains, je vous repère. Merci beaucoup, je suis impressionné, c'est hallucinant d'avoir fait quelque chose comme ça. Sur le serveur push, comme vous avez ce glueur qui connaît un peu toutes les ressources qui vont être demandées, est-ce que vous avez expérimenté de lui faire inclure le style inline de ces ressources plutôt que de faire du serveur push pour, puisque ça va être déprécié ou je ne sais quoi. Non, en fait, on s'est dit, c'est une feature qu'on n'a pas encore sortie, mais on s'est dit peut-être qu'à un moment, pour les petites ressources, on va les inliner. Et on voudrait que l'agrégateur de Microfrontaine soit capable de détecter la taille des ressources et de les inliner en fonction de la conf qu'on définirait, par exemple. Donc, ce n'est pas exclu qu'on le fasse un jour. Pour l'instant, quand on a vraiment très peu de CSS, on l'intègre directement dans le code HTML au build du composant. Mais... c'est possible qu'un jour ça arrive. Oh. Une dernière question ? Oui. Encore moi pour te faire marcher. J'ai une question du coup par rapport à la configuration que vous nous avez montrée pour pouvoir charger un fragment en manière lazy load. Vous avez pu aller rajouter directement un attribut dans une fenêtre en termes UI. Je me demande si toute cette configuration, elle peut se faire uniquement en clic dans un formulaire ou vous avez un moyen de la committer sous forme d'infrastructure as code et pouvoir redéployer exactement la même configuration plus tard en cas de crash. Non, en théorie, en prod, ces manipulations ne sont jamais faites. C'est bien quand l'application se déploie, elle appelle ce qu'on avait vu, la couche registrie, tout ce qui est configuration, elle se référence. Elle dit, voilà, moi j'ai tel fragment, sa configuration, elle est de telle façon, et ça s'arrête là.
Normalement, il n'y a pas d'accès en prod là-dessus. Par contre, sur les environnements de dev et autres, les développeurs peuvent tester des choses comme ça.